Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria de emisiuni pe Skype și vom avea ocazia să stăm de vorba astăzi cu un pasionat de tehnologii francez, căsătorit cu o italiancă și foarte activ în România. Filip Volto este la bază inginer specializat în informatică. S-a format în Franța, țara lui de origine, la Toulouse și la Toulon. Acum este arhitect tehnic la grupul Societe General. Dincolo de acest parcurs și de titlurile lui se ascunde un om curios și pasionat de tehnologiile viitorului care bat la ușă. La București are mai multe proiecte în care s-a investit foarte mult. Data Lab Systems, mai precis Consulting Cloud și Datligence, o platformă de anonimizare a datelor. Proiectul lui cel mai recent a fost botezat Rocket One Beauty. Crest. Chiar așa. Și este un spațiu de lucru rezervat antreprenorilor și oamenilor pasionați de tehnologie. L-am invitat la emisiunea Noi venim din viitor cu convingerea că ne va ajuta să vedem mai clar viitorul care răzbate până la noi. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Philippe Volto, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Je vous avoue que malgré mon origine roumaine, j'ai quelques problèmes d'adaptation dans, dans mon propre pays. J'ai vécu une douzaine d'années en France et quelques années à Londres, puis je me suis réinstallé en Roumanie. Je dois vous dire que la plupart des gens qui me croisent n'arrêtent pas de me poser la même et la même question Mais tu es fou quoi Pourquoi tu es rentré en Roumanie quand tu aurais pu vivre tranquillement à Paris ou à Londres Je vais vous poser cette question clichée de manière frontale Vous faites quoi à Bucarest alors, qu'est-ce que je fais à... Tout d'abord, bonjour. Euh, qu'est-ce que je fais à Bucarest euh, Aujourd'hui, euh, je développe des activités dans le domaine de l'IT, donc sur des activités autour de tout ce qui est euh, la data security, la GDPR, euh, le cloud computing. Donc, euh, donc j'ai plusieurs sociétés. Hein, une société euh, autour du consulting s'appelle Data Labs une société autour. Euh, l'édition logicielle, une plateforme d'anonymisation massive sur laquelle on est en train de lever des fonds auprès d'investisseurs de type business angel, et aussi également une activité autour du coworking, je veux dire, plus que du coworking space, on va dire de l'entrepreneuriat. l'idée c'est de, de créer un écosystème d'entrepreneurs. Donc, donc cet espace qui s'appelle Rocket One, qui est basé à proximité de Piata Romana. Voilà. Rocket One, pourquoi Rocket One, pourquoi ce nom? Alors, euh, Rocket One, euh, d'abord, j'aime bien la, la, tout ce qui est space tech. Hein. C'est vrai que je suis assez fan de Elon Musk. Hein. Je pense que Elon Musk… Ah, vous est pas le une... seul. Hein. <laughs> voilà, ouais, c'est sûr que c'est un peu un cliché aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a relancé, je pense, la course aux étoiles. C'est un, un, un petit peu comme les, les Vasco de Gamma et les grands explorateurs du, du 16e, 16e, 17e siècle, où effectivement, on va à la découverte de l'espace, et euh, je pense que jusqu'à maintenant, c'était réservé aux États. Et aujourd'hui, la course à l'espace est ouverte aux... aux investisseurs privés. Et je pense que ça change fondamentalement la donne. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu en hommage à ça. Et puis je pense que Rocket, hein, et cette idée de... <laughs> de dynamique, de mouvement, de vitesse, c'est un petit peu ce que j'essaye d'impulser. Euh, et pourquoi One ben, Parce que l'idée, c'est que c'est la première. Et qu'après une Rocket One, il y aura une Rocket Two, une Rocket, euh, etc. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs. On a écrit Rocket One sur quatre digits hein, en se disant bah, peut-être qu'on arrivera à Rocket 9999, qui sait, hein, voilà. Et vous avez décidé de lancer la Rocket One à Bucarest. Pourquoi Bucarest Alors pourquoi Bucarest Bucarest c'est une ville que je connais depuis plusieurs années en fait. Je suis arrivé en fait pour un petit peu faire le, le parcours. J'avais connu un, sur Paris puisque moi j'ai fait toute ma carrière sur Paris, hein, dans l'Haïti. J'ai connu un patron français qui disait que bah, la Roumanie c'est un endroit où on trouve de bonnes compétences un, un prix raisonnable. Et donc, ils souhaitaient faire développement d'applications mobiles. Et puis, euh, sur ce, je suis parti. J'ai contacté un avocat et je suis venu j'ai créé une société. Donc, pendant plusieurs années, c'était un peu dormant. Et j'ai créé un réseau de contacts. Euh, j'ai pas mal euh, fréquenté la CCIFR euh, et donc un petit peu les, les milieux francophones. Et l'opportunité s'est présentée euh, l'année dernière de, de travailler euh, en tant qu'architecte technique consultant pour la Société Générale open Business Services. Et donc, euh, je suis venu et euh, dans l'idée de pouvoir booter ces activités voilà. Alors pourquoi Bucarest Bon, bah déjà, parce que c'est la capitale de la Roumanie. Hein. Ensuite, parce que euh, ouais, je pense que la Roumanie, c'est un pays qui, euh, qui a du potentiel. Euh, alors, euh, je pense que les gens euh, ont, ont un potentiel, que c'est un pays d'avenir. Alors, c'est sûr que tout n'est pas rose, hein, mais euh, euh, l'environnement, à mon avis, est quand même favorable à la création d'entreprises. En France, c'est un petit peu comme le Monopoly. On va dire que tout est. Dans le Monopoly, à la fin, vous avez des hôtels, tout est rouge et il n'y a plus rien à construire. La, la, la Roumanie, c'est un pays où il y a des choses à construire. Voilà. Et, donc, euh, et je pense que quand même, d'une certaine manière, y a, les choses sont plus simples en, en Roumanie qu'en France. En France, tout, tout a tendance à être très rapidement complexe et il euh, y a un peu une forme de négativisme. Et euh, voilà, donc je ne sais pas, je me sens… Euh, J'en ai parlé avec beaucoup de, de Français, effectivement, on se sent bien en Roumanie, quoi, donc… Euh, il y a une certaine forme de liberté, oui, effectivement, de pouvoir entreprendre des choses. Nous venons d'Invitor, première émission de radio din les secrets de la RFI România. La Roumanie, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes encore qui sont très assez réticents, ils sont dans la recherche d'une stabilité. Je peut-être un peu hérité de l'histoire et de l'environnement familial hein, qui font qu'ils ont tendance à, à rechercher la sécurité. Puis bon, on ne peut pas non plus leur reprocher hein, vu la situation actuelle avec la crise du coronavirus. Bon, c'est vrai que la recherche de sécurité, c'est important. Mais euh, je pense que les choses vont évoluer et que progressivement, en Roumanie comme ailleurs, il va y avoir de plus en plus de, de jeunes entrepreneurs hein, qui vont vouloir créer leur entreprise. Il y en a déjà, hein, de toute façon mais que ça va se, se, se développer qu'on va avoir un espèce de euh, mon, mon idée ce serait un petit peu de participer à développer d'un écosystème de type euh, le silicone sentier hein, comme on le trouve euh, en France on parle de silicone sentier hein. et euh, voilà donc euh, favoriser cette création d'entreprise parce que je pense que c'est extrêmement nécessaire pour la Roumanie euh, pour passer d'un pays de near shore dans le développement IT, un pays qui, qui produit des unicornes, qui produit des sociétés qui sont exportatrices et, et créatrices de valeur pour un peu Casser le plafond de verre qui est actuellement sur où il y, une, il y a une limite sur les salaires dans le domaine de l'IT. Parce qu'à un moment, bah, les grands donneurs d'ordre, qu'est-ce qu'ils font ils vont dans les pays où le ça coûte le moins cher Donc, euh, si demain les salaires de la Roumanie dans l'IT augmentent trop, euh, ils décideront de partir ailleurs. Donc euh, voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est favoriser l'entrepreneuriat aujourd'hui pour pouvoir euh, créer de la, de la valeur euh, en Roumanie et permettre euh, une augmentation positive euh, des salaires euh, en Roumanie. Euh, depuis que j'ai commencé à faire cette émission, j'ai été assez euh, agréablement surpris euh, sur le marché romain. J'ai trouvé plein plein de, de start-up, il y en a de plus en plus, et j'ai constaté quand même euh, une certaine évolution, c'est-à-dire que le succès d'une entreprise comme UiPad, qui, qui est l'unique romain, quoi. enfin c'est la, la, la success story, euh, le numéro un mondial de la <laughs> dans la RPA, la robot process automation, euh, euh, le succès de ces gens-là a fait que les gens qui viennent derrière, ils commencent à y croire. Ils se disent, ben, si si les autres ont réussi, pourquoi pas nous C'est pour ça que la Roumanie a eu une école de, de gymnastique, parce qu'il y a eu Nadia qui a, qui a donné le ton. C'est pour ça que la Roumanie aura probablement une école de tennis, parce qu'on a Simona Halep et euh, ainsi de suite. Et je pense qu'au niveau économie, maintenant, on a un repère. Qui fait que ça donne de l'espoir, ça donne de l'oxygène à cette nouvelle génération. Comment vous voyez Vous êtes en contact avec ces gens-là. Euh, et Vous avez créé cet espace, Roqueto en Bucarest, justement, pour accueillir ce genre de, de démarches. C'est les jeunes entrepreneurs. Vous les voyez comment, les jeunes entrepreneurs roumains, comparé à ce que vous voyez ailleurs euh, On va dire que je pense qu'ils <coughs> ont des, des très bonnes compétences euh, techniques. Euh, Peut-être ce qui manque, selon mon avis, c'est de capacité de, de management. Hein. Dans le domaine de l'IT, souvent, ce qui est un petit peu reproché en IT, c'est le, le middle management, donc des bonnes compétences. Hein. Mais euh, sur le management, il y a un manque, a priori, plutôt important. Euh, et je pense qu'une startup, en fait, ce il ne faut pas, faut pas se tromper, c'est euh, pas simplement euh, mettre des compétences et rechercher à développer un produit euh, il faut être capable de. Il y a deux éléments qui sont extrêmement importants pour un business c'est le cash et, euh, et, euh, et les sales, la vente. Okay on peut avoir le meilleur produit du monde si on euh, si n'est pas capable d'atteindre une clientèle et de vendre. Bah globalement, l'entreprise va rapidement se retrouver à court de cash et s'effondrer. Donc, c'est les deux facteurs déterminants c'est euh, les investissements et, euh, et la vente. Euh, je pense qu'un produit moyen qui a des bons vendeurs, c'est quand même mieux qu'un très bon produit sans vendeur. Voilà, donc euh, je pense que ça, et ça aujourd'hui, ce n'est pas forcément très, euh, très simple en, en Roumanie. Je pense que le milieu des, des VC, des investisseurs, est quand même relativement réduit. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui doit se développer. Il faut qu'on développe un écosystème en Roumanie un petit peu... Euh, Qu'est-ce que c'est la Silicon Valley finalement hein C'est un mix finalement d'investisseurs, de, 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 euh, d'entrepreneurs. Hein. Et, ce, ce, et, et aussi un milieu universitaire, hein, dans, des universités. Et ce cocktail hein, a permis l'émergence de ces startups. Alors, ça ça met du temps, hein, puisque globalement, euh, il s'est passé 50 à 60 ans. Là. La, la Silicon Valley, c est, c est, ça ne date pas d'hier. Euh, voilà, donc je pense qu'en fait, il faut aujourd'hui arriver à créer ce. ce ce, 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 cette espèce de triangle de euh, d'investisseurs de recherche et développement l'université et euh, d'entrepreneurs hein. espèce de cocktail hein. et c'est un petit peu ce que je souhaite faire hein, chez Rocket One c'est pour ça qu'on veut lancer un événement qui s'appelle Biz Monday hein, qui est euh, les lundis euh, les lundis euh, de la, la lundi du, du business hein, le premier et le troisième lundi du mois sans forcément que ça soit dans l'esprit des meet meetups où souvent les meetups y a un caractère un petit peu passif où euh, les gens viennent, ils écoutent un speaker, ils regardent leur téléphone, ils jouent avec, ils mangent quelque chose de buffet puis s'en vont. Euh, L'idée c'est de dire non non c'est pas du tout ça c'est vous venez, vous présentez votre produit, votre projet, euh, vos idées, euh, voilà ne pas avoir peur on, euh, et puis pour toutes les personnes bah, qui vont chercher un cofondateur, qui vont chercher euh, euh, construire une équipe, euh, voilà bah, qui viennent et qui se présentent et euh, voilà créer cette espèce d'esprit de, d'émulsion espèce de réacteur, hein? je fais toujours référence un petit peu à la, à la Space Tech hein? c'est un réacteur quoi, donc mettre ensemble des gens, discuter et, et essayer de faire émerger des choses, voilà. c'est un petit peu ça l'esprit qu'on souhaite insuffler euh, dans Bizmonday avec Rocket One Nous venons d'Invitor, viitor, première émission de radio din Romagna sur secretele viitorului. Cumirel Bran avec Mirel Bran et ses invités à RFI Ceux qui veulent vous contacter, participer à vos événements, il peut faire comment comment on, comment on peut vous, vous joindre ah ben, Il suffit que vous sur le site, hein, sur RocketOne, donc rocket0001.com. Il y a la fiche de contact, il y a notre numéro de téléphone, email, et ils, peuvent nous, ils peuvent nous contacter sur WhatsApp, sur Signal ou par, ou par, par téléphone. D'accord. Voilà. Vous, vous avez vécu suffisamment temps en, en Roumanie pour vous faire une idée de, de ce pays, il est peut-être un peu le vôtre aussi. Euh, la Roumanie vous fait quel effet Au-delà de la vie professionnelle et de vos projets professionnels, ça vous fait quel effet ce, ce pays bah, Étrangement, c'est un pays où je suis attaché. Je pense qu'en fait, entre, il y a une, une grande proximité entre les Français et les Roumains. Je pense que les Français sont plus proches des Roumains qui peuvent ne l'être des, des Anglais, des Hollandais, des Allemands. Euh, je pense que euh, les Français sont plus proches probablement des Espagnols, des Italiens et des Roumains. Et donc c'est vrai qu'on est finalement relativement, euh, re, relativement proches. Euh, et donc euh, on, on s'y sent bien. Quoi. Globalement, c'est un, un pays, euh, comme je répète, hein, pour moi c'est un pays d'avenir. Et je pense que les Roumains, euh, il faut qu'ils essayent de... Je sais qu'il y, y a un certain nombre de problèmes, hein. tout n'est pas forcément simple. Mais je pense qu'il faut qu'ils gardent, qu gardent la confiance. Et, et qu'ils qui investissent dans l'avenir de leur pays. Quoi. Donc, que ce soit dans la formation, la recherche des investissements auprès d'investisseurs internationaux. et créer un... Je pense que ce qui est important aussi, c'est créer un climat de confiance pour les investisseurs, pour qu'ils puissent se dire. Parce que quand on fait des cycles d'investissement, c'est quand même relativement long. Et donc, il faut leur donner de la visibilité. Et je pense que c'est un facteur essentiel, essentiel pour, pour l'avenir du pays. Quoi. Créer un climat de confiance et favorable à l'investissement dans le pays. Oui, il y, y a du travail. Hein. <laughs> la Roumanie, on dit que c'est un, un pays plein de contrastes. Et en vous écoutant, je pense à cette, euh, à cette Roumanie tournée vers le passé. Euh, la Roumanie, euh, pas forcément rur rurale, parce qu'il y a aussi des gens tournés vers le passé dans les villes. Euh, mais il mais y a, a, a ces droits. Parfois, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est des trucs tellement en retard, euh, même au niveau du gouvernement. Euh, et. D'autre part, l'autre extrême, on a une armée d'informaticiens qui, qui connecte ce pays au futur, quoi. Et, et, et ce contraste entre les gens tournés vers, vers le futur et les gens tournés vers, vers le passé, c'est énorme, quoi. C'est énorme en Roumanie. Oui, c'est vrai que c'est qu'est-ce que je, en fait, l'école en France, par exemple, a eu, a eu tendance à un petit peu à fabriquer un citoyen moyen, euh, l'école de la République. Et je pense que ça a peut être moins joué en, en Roumanie. Bon, je pense qu'il y a l'histoire. Hein. On ne peut pas perdre de vue qu'il les, les... n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même encore une, une, une dictature. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a cette espèce de gap. Souvent, moi, je me suis fait la réflexion de dire il y a des, des jeunes aujourd'hui qu'on pourrait très bien voir dans la City à Londres, dans la Silicon Valley, euh, qui sont complètement alignés par un, un modèle globalisé. Effectivement, un, un, une partie du pays qui est encore euh, très éloignée de, de ce standard. Et c'est vrai que ça crée une un espèce de, de, de choc. Euh, auquel c'est vrai qu'en tant que citoyen français, je ne vois pas la même chose dans, en France. Hein. Euh, mais euh, voilà, je pense que euh, c'est le phénomène de l'histoire et qu'il va y avoir une forme de rattrapage. Euh, je pense que c'est globalement euh, aux gouvernants au gouvernant de, de montrer l'exemple et de tirer le pays vers le haut. Donc euh, voilà, moi je répète toujours je pense que les Roumains doivent garder et, et développer l'espoir dans le pays. Euh, qui, à mon avis, est, est un pays d'avenir parce que euh, il est situé euh, en Europe, euh, les, les, les tarifs, les salaires euh, sont intéressants pour les investisseurs. Il y a une proximité avec des marchés, euh, des marchés euh, au Moyen-Orient, avec la Turquie, etc. Donc, euh, je pense que c'est quand même une bonne localisation là, la Roumanie. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut continuer à avancer, quoi. Avancer, avancer. On peut même rêver d'avancer dans l'espace, euh, puisque vous aimez bien les technologies et les voyages dans l'espace. Euh, je voulais vous poser une question un peu plus philosophique, si on peut dire, euh, au niveau de, 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 du futur, quoi. Parce que la, ces nouvelles technologies qui, qui arrivent, euh, elles évoluent à une vitesse hallucinante, quoi. C'est-à-dire que parfois, non, parfois même, la plupart du temps, les technologies évoluent beaucoup plus vite que, que notre capacité de les comprendre, de les assimiler. Et, 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 et il y a un écart entre, entre la, vit à la, la vitesse à laquelle le monde évolue, ce monde te technologique évolue et, et la perception du, du grand public sur, sur ces nouvelles technologies. Euh, vous, pour vous, le, le futur, ça sera fait de quoi Le monde de demain, le monde du futur, euh, est-ce qu'on peut l'apercevoir en quelque sorte euh... En fait, c'est souvent difficile, je pense. Que... Moi, j'avais une revue française, j'aime beaucoup, qui s'appelait Les Sciences Avenir, que je lisais beaucoup quand j'étais gamin, où on imaginait l'an 2000, avec les gens dans des vaisseaux spatiaux, etc. Et puis finalement, ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. On allait, quelque chose qui n'avait pas été prévu, c'était Internet qui arrivait, etc. Donc, je pense qu'il y a un caractère imprévisible à l'avenir. On peut essayer. Je me suis dit, il y a eu un moment, un mouvement, le mouvement cyberpunk. Euh, avec des, qui, qui, qui a intuité quand même la, la question de l'arrivée la, d'internet hein. euh, je pense que c'est vrai donc je pense qu'il y a une partie d'imprévisible mais euh, euh, je pense que la space tech je pense que c'est quelque chose de très important qui va se, qui va se développer, j'y crois beaucoup euh, c'est un secteur dans lequel les investissements sont en train de se développer hein. je le disais encore ce matin euh, aux états unis on investit énormément là-dedans c'est euh, vrai qu'à un moment j'avais ca caressé chez Rocket One l'espoir de développer un, un club autour de la space tech pour inciter les, les, jeunes, les jeunes, Roumains à, 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 à développer des choses autour de la space tech, hein, ça peut commencer très simplement. Euh, je pense qu'il y a tout le secteur, tout ce qui est drone, tout ce qui est robotique, hein, robotique. Il y a tout ce qui est euh, euh, relatif. Euh, L'internet va se transformer. Il hein, y a des nouveaux protocoles qui sont en train de sortir, comme Ion par Microsoft, qui est un protocole de gestion d'identité de décentralisée. Euh, je crois beaucoup euh, à cette idée-là. Ça peut être, à mon avis, avec euh, avec les avec le Bitcoin. Ion hein. et Bitcoin, ça peut être un peu les d'un d'un Internet 2.0 euh, qui serait euh, user centric, ça hein. se pose beaucoup la question euh, de, de la propriété des données de, de la propriété des données. Je pense que euh, Demain, l'Internet sera user-centric, l'utilisateur est au centre, et finalement les services sont à la périphérie et les propriétaires de ses propres données. Et donc je pense que euh, les, 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 deux, les deux clés sont la gestion de l'identité et l'argent. Euh, et et, et aujourd'hui, on a à peu près ça avec Yon et, et Bitcoin. Euh, donc Internet va se transformer. Euh, et je pense que euh, même le rapport au travail va se transformer. Aujourd'hui, on voit une accélération donc avec le phénomène Covid-19, la transformation dans, dans, dans le travail. Moi, j'ai été surpris, il y a des grosses entreprises qui ont décidé de ne pas retourner au bureau. Et finalement, ils ont été très, très frileux et ils se sont rendus compte que... Euh, qu'il y a une conjonction d'intérêts assez puissante, des particuliers finalement, des gens qui disent bah, pourquoi aller au travail, ça me, je peux gagner deux heures par jour, donc on reste frais et dispo euh, les entreprises qui font des économies sur l'aspect real estate, sur l'aspect bureau, puisque ça coûte, hein, c'est quand même relativement cher, et les États où finalement euh, on leur... On, il y avait la, la question du développement durable. On se dit bah, pourquoi continuer à développer des infrastructures massives, polluées, euh, etc. Alors que finalement, bah, les gens peuvent travailler chez, chez eux. Et donc, on, on réduit l'empreinte écologique. Donc tout ça, je pense que c'est un phénomène puissant euh, de transformation de la société. Je pense que euh, euh, je serai propriétaire dans le real estate. Je m'inquiéterais beaucoup de l'avenir de, 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 de mes bureaux. Hein. Peut-être que là, demain, la, la défense... À paris, ça va devenir des, des futures fermes agricoles. je ne sais pas. Euh, ça sera plus les bureaux. ça va sera reconverti. donc ça va, se, la société va se transformer. les entreprises vont se globaliser. Euh, moi, j'ai un concept qui est la notion de localité. c'est à dire je, je suis local, donc je vis localement, mais mon marché est global. Euh, ça, c'est quelque chose qui va se développer beaucoup, cette idée de localité. Euh, et donc euh, on va mettre, on va avoir une autre, une autre manière de travailler. Alors je, je pense beaucoup, au, justement, au modèle de Rocket One, c'est celui-là du coworking de proximité. En fait, l'idée, c'est de développer de, des petits coworking spaces, mais avec une grande qualité, de manière à ce que les gens puissent. Ben, je pense qu'à un moment, c'est difficile de travailler de manière isolée. L'être humain est un, un animal social. Donc, on a besoin aussi de la proximité des autres. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle organisation qui va se faire entre les bureaux centralisés des corporates et les grandes entreprises, les coworkings de proximité où les gens vont pouvoir euh, bah, socialiser avec des gens qui sont physiquement proches, pas forcément de la même entreprise, mais qui sont proches, et puis le, le travail depuis chez soi. Euh, et je pense aussi, euh, ça, c'est sur l'aspect, on va dire, en termes de géographie, et je pense que l'entreprise elle, elle va se transformer aussi. Aujourd'hui, on a un peu un modèle qui est hérité du 18e, 19e siècle, modèle Fordien, 19e siècle, 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est un peu dépassé ce modèle-là. Les gens ont besoin d'avoir beaucoup plus du sens de l'accomplissement personnel et de savoir donner du sens. Et donc, il y a un modèle d'un côté, c'est je suis salarié ou bien je suis freelance. Je pense qu'il y a un autre modèle qui est celui de. J'essaie un petit peu d'inventer chez Rocket One, qui c'est je voudrais appeler une IT software community. C'est une notion de, de communauté, c'est-à-dire j'appartiens à une communauté et euh, collectivement on crée de la valeur ensemble. Et euh, la question est de dire comment est-ce que globalement, bah, je répartis la valeur. J'ai tendance à dire que l'entreprise souvent a tendance à être antidémocratique, c'est-à-dire que la démocratie s'arrête à la réception et ensuite il y a un modèle où finalement on subit. Alors bon, de manière raisonnable, hein, ça, tout dépend en fait si on travaille dans une fabrique en Chine ou si on dans une société sympathique à Londres à Paris. Euh, mais je pense que le, ce, ce modèle peut-être de, de, de communauté où globalement on partage le fruit de manière plus juste et équitable, euh, à mon avis, est un modèle d'avenir et c'est quelque chose que je voudrais développer chez, chez, chez Rocket One, cette idée de dire bah, 1 plus 1 égale 3. Hein, donc euh, finalement, quand on est deux, on crée plus de valeur que quand on est tout seul. Et euh, peut-être derrière autour d'une cryptomonnaie monnaie euh, ou finalement euh, qui rétribue les fruits de l'ensemble des, des acteurs de la communauté euh, en fonction de leur participation, voilà, et, et des et de, de fruits qui, qui créent dans, dans, dans cette communauté. Noi venim din première prima emisiune de radio din Romania despre secretele vitorului, cumirele bran si invitatii sai la ere fi Romania. Cette histoire de coronavirus, euh, au-delà de, du drame que ça représente pour l'humanité entière, euh, cette histoire a été aussi, cette crise a été aussi un catalyseur, parce qu'on on parlait avant cette crise de, euh, on avait déjà déménagé un certain nombre de choses dans le monde virtuel, euh, et puis on parlait de, du, du fait qu'on va, on va passer de plus en plus de temps dans le monde virtuel, parce que le travail va bouger dans ce sens-là, mais on le faisait pas vraiment. Et puis il y a eu cette crise du coronavirus qui a, qui a accéléré les choses, qui a qui a été, à mon avis, sur le catalyseur, qui a boum, euh, ça a tout accéléré. Et, et c'est vrai que dans le monde de demain, euh, on, on sera de plus en plus connecté, mais ça crée aussi un problème parce que, comme vous dites, au, à la base, on est. Un... L'homme est un animal social, donc il a besoin d'un contact direct avec l'autre. Euh, ça me plaît beaucoup cette idée de communauté, parce que les technologies qui, qui arrivent euh, vont dans ce sens-là, permettent aux petites communautés de construire des projets et de devenir de plus en plus autonomes, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de, de, de tout ce qu'on fait au niveau professionnel. Et, C est, c est en Roumanie, par exemple, on parlait de cette distance entre la Roumanie ancrée dans le passé et la Roumanie connectée au futur. Euh, ce genre de communautarisme, ça peut exister Est-ce que, euh, est que la technologie peut, peut être un, un catalyseur de, de cette nouvelle forme de, de vie sociale Parce que ça a quand même beaucoup changé depuis l'arrivée du coronavirus. On passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. On a moins de temps pour le, le rapport avec les autres, mais en même temps, on est beaucoup plus connecté. Comment vous voyez tout ça euh, C'est vrai que je pense que le, le, on, on sous, en fait, on a on a tendance à sous-estimer la capacité de l'IT, de l'informatique et de nouvelles technologies dans la transformation des rapports sociaux. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a euh, on, on a des on regarde des, des outils comme Facebook, WhatsApp, euh, euh, Messenger, etc., permet d'être aujourd'hui euh, tous les jours au contact de gens qui sont très loin, peut-être plus proches que son propre voisin. Je pense que y a, ça représente à la fois un risque et une opportunité. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un risque finalement de se déconnecter du réel. Euh, ça c'est un risque, il est avéré hein, aujourd'hui, hein, même une forme de dépendance euh, aux technologies. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un outil qui permet euh, une, euh, de redonner de, une forme d'égalité, c'est-à-dire que bon, par exemple, on a un projet qui s'appelle AgriLink, hein, qui est un euh, projet AgriTech, qui est une plateforme de désintermédiation dans le domaine du retail euh, dans l'agroalimentaire. Euh, L'objectif, c'est de donner aux producteurs, euh, aux petits producteurs, euh, un, un, un outil euh, qui, euh, qui, qui permet de, de, de casser le, 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 le côté euh, il y a un caractère, une forme d'anti-concurrence, c'est-à-dire le retail, les grandes sociétés ont énormément d'argent, ils sont capables d'avoir de, de la R&D, d'investir, de la publicité, de marketing. Ce qui n'est pas le cas du petit producteur qui doit un petit peu savoir tout faire. Et nous, notre idée, c'est de combler ce gap technologique avec un outil qui permet au producteur de se rehausser au niveau du retail et de disrupter le, le retail pour pouvoir accéder directement aux clients finaux. Donc euh, euh, je pense que c'est euh, aujourd'hui l'IT permet euh, et les nouvelles technologies permettent de, de, de casser un, un peu les, les trusts qui, qui ont tendance à euh, monopoliser, le, monopoliser le marché. Donc voilà. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission déjà. Euh, vous qui aimez tellement l'espace, les, les voyages, les, les robots, les technologies, je vais vous poser une question très simple à la fin. Euh, si vous aviez un robot qui pourrait euh, tout faire à votre place et vous auriez tout le temps pour vous, vous feriez quoi Je pense que je voyagerais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un petit peu la, la dernière frontière. Aujourd'hui, c'est. Euh, Voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres paysages, d'autres saveurs. Je pense que c'est encore… Personnellement, je ne regarde, regarde plus la télé depuis très longtemps, depuis, depuis 2004. Ça fait 16 ans que je regarde plus la télé. Et oui, c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de, de voyager. et Ce de... n'est pas tellement la possession. Je pense que je préfère, je, je privilégie l'être sur l'avoir. Sachant qu'on bah, on est tous de passage sur cette terre, hein, et que euh, avoir, euh, quand on possède quelque chose, il faut bien posséder. Ça, il y a tout un cycle. Hein, il faut, euh, euh, je l'achète, euh, faut que je lise la notice, euh, faut que je l'entretienne, faut que je le répare. Faut que je le... Donc tout ça, ça, ça prend du temps. Et euh, voilà, je pense. Je, je, donc je souhaite moins posséder, mais plus être, et donc finalement, euh, voilà, découvrir les autres, lire des, lire des livres, euh, voyager, euh, m'intéresser aux autres personnes. Voilà. Filip, vă mulțumesc că ați fost cu mine la emisiunea Noi venim din viitor. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Filip Volto, un francez îndrăgostit de Italia încă și de România. Pasiunea pentru tehnologie l-a dus la București, unde încearcă să conecteze România la viitor. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la Munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respirați. Și mai avem și știri din viitor în fiecare vineri după canalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa în curând cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba stă așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război voi nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Se Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.